Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, toute nouvelle vidéo, regardez les mecs. Aujourd'hui j'ai sorti le monstre, on va faire une vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir, il y a une petite surprise pour vous. N'hésitez pas vraiment les amis à me suivre sur Instagram parce qu'il y a quelques concours qui vont être lancés. Du coup en vrai ça va être super cool. À vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000, c'est un truc de ouf. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Allez, la barre est haute mais 4000 pouces bleus. On ressort les bolides électriques mais là on va partir pour un vrai truc et une vraie sortie. Donc les amis, avant de vraiment commencer la vidéo, vous allez voir, c'est une dinguerie. Je vous mets juste le déballage de la trottinette pour ceux que ça intéresse. Sinon vous pouvez passer, ça va durer 30 secondes, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans le colis. Parce qu'en vrai, ils vous envoient pas qu'une trottinette, ils vous offrent plein d'outils et tout. Vraiment, ils vous régalent au max, ça fait trop plaisir. Du coup, n'hésitez pas à profiter du code promo si jamais vous voulez vous faire plaisir. Il y a vraiment de tous les budgets, de 500 euros la plus petite à plus de 4000 pour la méga grosse. Et puis voilà, allez sur ce les amis, on se retrouve pour le déballage. Donc en fait il n'y a même pas besoin d'avoir vos propres outils dans la boîte qui est fournie par Mindrobot. En fait il y a tout directement. Donc on a le chargeur, ça pour la direction. Et ça, alors attendez, laissez-moi le sortir. Mais un jeu de clés tout emballé pour régler la trottinette et le guidon, la hauteur, tout ça. Je vais vous montrer, regardez. Hop, du coup vous venez là, vous pouvez tout régler avec ça. Bon, sur ce les amis, moi je m'équipe avec ma jeune GoPro. J'en profite pour remercier la marque Mindrobot qui m'a envoyé ça les amis. Du coup les amis, n'hésitez pas à aller voir le site de Mindrobot. Il y a plein de trottinettes pour tous les budgets. Vous allez voir, c'est de la cam de ouf. Vous allez voir comment moi je teste les bolides. Et quand c'est approuvé by de Léo, là c'est un truc de ouf. Allez, on se retrouve directement pour la vidéo. Donc là les amis, on est parti pour une petite vidéo. Vraiment vous allez kiffer, des sauts de ouf. Vraiment là on va pousser le test à l'extrême. Là tu passes directement dans le mode hey, ça rigole pas. Là, on va vous faire une bonne vidéo. On est arrivé sur un spot de ouf. Vous allez voir. Là, il y a de quoi s'amuser et il y a de quoi tester le bolide. Hein. On va s'amuser là. En plus, on est à deux trottinettes. Je peux vous dire que là, avec la caméra à l'arrière, ça va être bien drôle de filmer un truc. Et là en plus, j'ai repéré quelques petits sauts ici, on est dans un terrain de jeu idéal pour faire des sauts, donc en vrai ça va être beaucoup trop drôle. Du coup ouais les amis, là on est sur le terrain idéal pour tester ça. C'est du 1600, 1700 watts je crois les moteurs si je dis pas de bêtises. Et en vrai, y a largement de quoi s'amuser, vous allez voir. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos avec ça, parce qu'en vrai c'est beaucoup trop drôle. Vous inquiétez pas pour les bruits, en fait, c'est juste qu'à l'avant il y a un phare. Wow, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais une GoPro à l'arrière. C'est le phare avant en fait, c'est pour ça qu'on dirait qu'il y a des vibrations. Ne vous inquiétez pas. Et en vrai, c'est beaucoup trop drôle pour faire les demi-tours et tout. Et en fait, vous pouvez rouler tranquille et dès que vous mettez les deux moteurs. C'est beaucoup trop drôle. On va faire un petit saut là. Mais s'il y avait toute la puissance de l'avant à l'arrière, si ça pouvait burner comme ça à l'arrière, oh, on pourrait faire des dérapages, mais de ouf. Mais là, on est sur un bon spot. Hein. Ouais, juste un petit peu d'eau à éviter, même si c'est waterproof. Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. Et c'est du freinage hydraulique à l'arrière.
Gros. On tient quand même à rester en vie. Mais regardez les trous que ça fait des ornières de malade hein. C'est pour ça que vous allez voir, il y a vraiment moyen de s'amuser avec ça. Dans la ville, tout ça, les réactions des personnes, elles sont juste dingues. C'est beaucoup trop drôle à rouler. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un test de VMAX, parce que là, ça prend plus de 95 km/h. C'est un truc de ouf. On a un bête d'amortisseur de direction. Donc avec ça, au moins, on peut pas se tuer. You can still go. Even with no hope, you can still go. I never answered a no, man. I still go. Go, 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 go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Do the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause if I do the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo avec cette méga trottinette. Vous pouvez retrouver tous les liens en description. Vous allez encore voir pas mal de vidéos avec ça parce qu'en vrai c'est trop drôle, c'est trop joueur. Et j'ai même envie d'upgrade le truc pour mettre que le moteur à l'arrière ait autant de patates que l'avant pour bien tourner et tout, ça pourrait être énervé. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à me commenter ça. Et là je pars en ville et vous allez voir qu'en ville c'est tout aussi amusant. Allez, sur ce les mecs, à la prochaine. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man.